Clément est en train d'installer sa fonçure de loup pour réaliser la loue en ardoise à deux tranchées pour que ces fendilles d'ardoise viennent bien s'appliquer dans cette fonçure. Là, nous sommes sur une rive à noquet, donc avec le noquet qui est dessous l'ardoise, toutes les deux ardoises, suivi d'une bande porcelain et d'asselin au mortier de chaux. Les arrêtières, c'est les ardoises qu'il y a dans les angles du toit. Bah là on les trace parce qu'elles seront toutes pareilles. Il y en aura trois qui seront pareilles. Donc on les prépare avant et après il n'y a plus qu'à les poser. Et c'est fait pour refermer l'arête tout en ardoise, sans zinc, sans métal. Donc là, nous venons de démarrer l'arrêtier. On vient de tailler en bas avec une arrêtière, une approche, une contre-approche. Et là, on est sur la pose. Alors donc, vous voyez, là, à ces endroits-là, l'ardoise superpose celle-ci, et ainsi de suite. Celle-ci superpose celle-ci. Il y a un croisement pour fuir l'eau de l'arrêtier. Si l'eau, elle tombe quelque part par ici ou n'importe où ici, elle prend la ligne de plus grande pente, donc elle va descendre là. Elle passera jamais par cette infiltration-là. Là, il est en train de monter une rive à noquet, Jean-Marc. Et il est à la fois en remplissage d'ardoise, donc il est obligé de tailler ses ardoises. Là, nous avons tout voligé à neuf. Tout consolider la charpente vissage et tout revoligé en volige de 27. Là, nous avons mis la fonçure de noue parce qu'on va réaliser une noue en ardoise à un tranchis. Comme on a une grande différence de pente entre le versant de la lucarne et le versant du toit, nous sommes obligés de procéder de cette manière. La première séquence a été la mise en place de l'échafaudage. À la suite, c'était la dépose des ardoises et l'évacuation. La dépose des litos, de la zingrie et évacuation en déchetterie. Et puis après, c'était le redressage de la charpente, pose du litonnage, voligeage sur les arrêtiers et des noues. Et là, on applique une grande préparation. Pourquoi ? Parce qu'on désire que nos ardoises plaquent bien, donc il faut que notre toit soit bien plan. Là, les premières difficultés, ce sont notamment les trois lucarnes. Là, il va y avoir les noues, ces trois lucarnes devant. Et à la fois derrière, on filmera le derrière. On arrive dans des chéneaux en zinc avec des raccords de noues. Et c'est assez complexe. Il faut être très vigilant au niveau des fuites. On est 8 aujourd'hui. Dessous là. Celles-là, elles ont un crochet de points. Ah, et des clous aussi. Ouais. Oui. C'est une arrêtière. Ouais. Ce sont les arrêtières. Donc nous avons le crochet qui nous tient l'ardoise et on a un crochet de chaque côté de l'ardoise qui maintient l'ardoise dans son écartement. Elle ne peut plus bouger. Et elle est retenue par l'ardoise supérieure à la fois. Une fois avoir délaté, Nous avons effectué le redressage de la charpente. Sur le redressage de la charpente, nous avons posé une sous-toiture micro-perforée. Et là vient son contrôle à tâche de 20 mm
par 60 de large. Et là revient le litonnage. Et sur la maison au-dessus, là, là ils sont en train de faire le démarrage de l'arrêtier. Donc c'est un arrêtier 3 biaises. Il est défini, l'arrêtier 3 biaises est défini par les pentes des versants et l'inclinaison de lui-même de l'arrêtier. Arrive à 28 kg au mètre carré. Pour la conception de cette lucarne, en couverture, je parle, hein, en partant de la bavette, parce qu'on démarre du bas, en partant de la bavette, les rives à noquer, l'habillage des joues de lucarne, ainsi que le chapeau de la lucarne avec les nœuds et les arrêtiers, il faut compter 4 jours de travail. On nous annonce 10 jours de beau temps, hein. On va pouvoir Donc là, sur cette lucarne, nous avons réalisé des rives à noquer, comme on peut le voir sur ce côté-ci. Par la suite, on va les habiller en zinc pré-patiné, avec des agrafures à joints creux. Comme vous pouvez vous retourner sur cette partie-là, qui a été terminée, la joue de la lucarne, en zinc pré-patiné, avec une agrafure à joints creux. Après, nous avons réalisé les arrêtiers des lucarnes avec des croupes gironnées et une noue à un tranchi, une noue ronde à un tranchi, suivie d'un faîtage 3 pièces en zinc sur lequel Arnaud est en train de poser. Donc un faîtage 3 pièces, c'est-à-dire une bavette de chaque côté et un couvre-joint qui vient chapeauter l'étanchéité de notre noue, de la lucarne. Alors, cette noue. Ces nœuds-là, on ne les fait pas tous les jours, malheureusement. Pourquoi ? Parce que c'est un temps excessif pour la réaliser, un temps et un coût, parce que les matériaux. Et auparavant, on faisait ça énormément sur les monuments historiques et tout. Et bon, pour transmettre un petit peu notre savoir, on se permet de le faire chez nos clients et de leur faire un petit cadeau en parallèle de tout cela, parce que c'est tellement magnifique. Et voilà, et que le jour où un autre couvreur viendra démonter le toit, il aura l'attention de regarder, et en démontant, de regarder comment ça a été fait pour qu'on soit étanche. Alors ça fonctionne. Il y a différentes pièces d'ardoise. Nous avons défendu ces pièces-là. Après, nous avons des petites approches, ce qu'on appelle des grandes approches, des petites roquettes et grandes roquettes. Et dessous, on a fait une fonçure en bois pour arrondir tout ce qu'elle prenne bien la forme de notre toit, en arrondi. Puis voilà. Suivi d'un faîtage en tête, on a fait un petit faîtage plomb pour déverser l'eau de chaque côté de notre noue. Voilà. Et puis là, à la suite de ça, nous allons démarrer l'entourage de la cheminée en zinc avec une bavette, des rives à noquer de chaque côté, des bandes porcelain. Et des solins au mortier de chaux.
là, la particularité du chantier, c'est qu'il y a un chêneau encastré. On a fait une fonction en bois et chez nous en zinc qui récupère l'eau des trois versants. Là, on est en train de réaliser une noue ouverte en zinc à deux tranchies. Il y a une fonction en zinc et une noue ouverte. Là. La particularité du chantier ici, c'est quoi? Il y a beaucoup de difficultés chez nous en zinc, les noues en zinc, les arrêtiers fermés. Il y a beaucoup de toits qui pénètrent les uns dans les autres et donc ça fait des raccords plus compliqués qu'un deux pans simple. Donc là je suis en train de faire une noue. Et donc là on met un morceau de zinc comme ça dans le fond en V comme ça. Ensuite il y a une pince de chaque côté pour pas que l'eau elle remonte. Ensuite on a tracé depuis l'axe le morceau de zinc 9 de chaque côté. Et ça on fait venir aux ardoises à 9 là de chaque côté. Avec les ardoises, on va éviter des clous. Qu'est-ce qu'ils sont sur le bord là, s'il n'y a pas de crochet là. C'est un arrêtier fermé, trois biaises. Ce qui veut dire concrètement trois ardoises taillées sur chaque rang. Et l'eau, donc, elle s'écoule de quelle manière? Elle suit l'arête. Elle suit le fil de l'ardoise. Tac, tac, la goutte d'eau, jusqu'au chêneau. C'est la goutte. Alors là, nous sommes sur des versants relativement beaucoup plus plats. Donc, là, nous avons une pente qui est à 30 degrés. Une inclinaison d'un arrêtier qui est à 36 degrés. Et là, sur ce versant-là, nous avons une pente de 40 degrés. Donc, nous avons un arrêtier de ce côté-ci sur le côté le plus plat, un arrêtier 3 biaises, comme on peut le voir. L'arrêtière, la première approche, la contre-approche. Et sur le versant le plus pentu, nous avons un arrêtier 4 biaises. Donc, arrêtière, première approche, deuxième approche et contre-approche. Et là, nous nous retrouvons dans le plan carré après. Voilà. Voilà. Et c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus délicat à effectuer. On a beaucoup plus de taille d'ardoise par rapport à nos inclinaisons de toit. Là, c'est là où on voit, où on trouve l'étanchéité de l'arrêtier, notamment sur l'arête et après au niveau des raccords des croisements d'ardoise. Parce que là, sur ces parties-là, entre le crochet et le croisement d'ardoise, on doit avoir un minimum de 3 cm de recouvrement sur nos ardoises, sur la largeur de l'ardoise. Voilà. Et là, on est largement en sécurité. Là, on a au moins 6 cm. Hein. Pour 3 cm et ainsi de suite. Voilà. On est en train de monter les rives débordantes des lucarnes. Et après, il y aura une queue d'aron. Ben là, on va faire déborder les ardoises tout le long de la rive. Et après, il y aura un arrondi ici qui vient se perdre dans le toit du versant. Et après, on habillera toute la lucarne. Pour ensuite tout couvrir. Alors là, la semaine prochaine,
on va démonter cette partie-là. Et là, sur cette partie de toit, par rapport à la pente de notre toit, nous ne pouvons pas couvrir en ardoise. Nous allons réaliser une couverture à tasseau en zinc prépatiné. Et donc, il y a une technique à apporter aussi, des reliefs à apporter qui vont passer sous nos ardoises. On va arriver sur des rives contre-murs adossées de chaque côté, reprise sur la noue du versant de toit en ardoise. Alors donc avec bande d'égout ventilée en bas, une gouttière beaucoup plus importante que celle-ci. Pourquoi? Parce que on a la réception de tous les versants là. On a là qui vient ici, donc on va poser une gouttière un peu plus importante que les gouttières des versants principaux. Et puis voilà. Alors là, nous allons refaire le chapeau de lucarne, tout en chevronnage. On va le tracer au sol, on va faire une épure au sol pour trouver nos coupes de chevron. Et puis, suite à cela, on va l'assembler sur place. Après, on va faire une ossature sur les jouets. Cette partie-là, ce sont les jouets de lucarne. On va faire une ossature en chevron aussi, pour pouvoir revoliger pour la fixation de nos ardoises. Voilà. Un coup est à reprendre ici. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, on a repris beaucoup de chevronnage aussi. Pourquoi? Parce que c'était défectueux. Et sur les parties qui sont encore bâchées de l'autre côté, je pense qu'on va en supprimer quelques-uns aussi, qu'on va rechanger aussi. En fait, faire des toits les plus endommagés. Je pense, cette partie-là au niveau charpente. Ici. Ah oui, là, vous voyez la charpente, tout ce qui est chevronnage, on en a changé pas mal. Hein. Ouais. On va encore en changer, hein. Même sur ces parties-là. Quand on a découvert, on s'est aperçu que le chevronnage, tout le chapeau de la lucarne était bien atteint. On a tout rechevronné, refait le chapeau, voligé avec de la planche de 27, de manière à poser nos ardoises correctement. Et les jouets ont été aussi voligés en planche. Avec on a mis une fourrure dans la noue, de manière à pouvoir faire notre noue à renvers. Des petites ardoises qui vont remonter sur la jouée, et de manière à ce que l'eau ne puisse passer. Et après, la jouée va être couverte en ardoise également, avec un tranchis comme un tranchis de noue. Ça fait un petit peu comme les autres lucarnes là-bas ou autrement? Autrement. Encore autre chose. Par contre, la noue, normalement, sera à peu près identique aux autres. Une noue en ardoise aussi, avec la fourrure, comme vient de montrer. Alors là, c'est pour l'habiller en zinc. Donc on prépare un faîtage qu'on a décaissé, qui vient s'emmancher dans le faîtage en pointe. Couvrir après avec du zinc, comme les autres, normalement.
s'occuper de ça. On va les tailler en ardoises aussi. Hein. Bah, tu pouvais, parce que les ardoises, à la fin de la journée. Au bout de 3 litres de blanc. Usé par Ricard. Demain du coup. Oui. À quelle heure vous êtes alors? Le temps de monter quoi, 8h15. Allez, viens. Mon père, suis-toi. Le couvreur porte le largeau de velours et le coltan. C'est sa distinction vestimentaire. L'esprit du corps chez lui est très développé par le travail d'équipe et surtout par le danger en commun qui fait de lui un homme dévoué et serviable.
partage son pain sans peine. C'est un bout en train des chantiers. Aime la liberté, l'amour du métier fortement ancré. Fais de lui un homme franc et loyal, faisant de lui non seulement son métier pour vivre, mais encore sachant lui consacrer, en dehors de la journée, des heures de travail qui ne lui rapportent rien, sinon une satisfaction bien plus grande devant les travaux réalisés. Il y a des risques malgré les intempéries, malgré la dureté du travail exécuté au soleil, au froid, la pluie ou la neige. Le couvreur reste fidèle à son métier. Ce n'est pas un métier en fait, c'est une race. Le couvreur doit être respectueux des hommes et de la matière. Tout d'abord, Emmanuel et Guillaume, je tiens à vous remercier de nous avoir fait confiance pour réaliser la réfection de votre belle maison, de votre toiture. Hein ? C'est très sympa de votre part de vous avoir accueillis et puis d'avoir partagé plein de choses tous les jours. Notamment avec Emmanuel, qui tous les jours nous a bercés, nous a fait danser sur le toit avec le piano. Pendant que Guillaume, le discret, ben oui, faut le dire, pendant que Guillaume, le discret, était en train de nous filmer à différents endroits, on ne le voyait pas. En essayant de ne pas être trop présent. Ouais, on a trouvé ça très agréable aussi. Et puis à la fois, je remercie Arnaud de nous avoir donné un petit coup de main, un bon coup de main d'ailleurs. C'était sympa aussi, on a passé un bon moment ensemble, on a partagé plein de choses avec ces jeunes, tous ces jeunes. Et j'espère que dans la vie et leur vie professionnelle, ils y arriveront aussi. C'est sûr. Ce n'a pas été difficile de confier la maison à des âmes bâtisseuses. C'était vraiment ça. Il y a eu les équipes qui ont été soudées en une, finalement, étaient formidables. On n'a pas vu le temps passer et on demande si on ne va pas faire un nouveau bâti pour vous garder pour un autre toit. Hein ? Parce que là, quand vous ne serez plus là, ça fera un sacré vide. Ça va faire un vide. Mais on a tellement appris de choses. Moi, j'ai énormément appris de choses. Moi, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas. J'ai eu plaisir à vous observer, à vous regarder. Ça a été une ouverture. Tous nos termes de couverture, notamment. Tous les termes de couverture, les nous, les tranchis, les fonctions de nous, tout un tas de termes magiques qu'on découvre et qu'on voit naître sous nos yeux, c'est extraordinaire. Et puis, il y a de tous les termes du vrai artisanat. Il y a toute la symbolique qui protégera la maison. Tout à fait. Ça, c'est encore autre chose. C'est sur un autre plan. L'un ne peut pas aller sans l'autre, d'ailleurs. C'était réalisé notamment chez vous parce qu'on a senti cette demande de petits symboles à droite à gauche que vous n'avez peut-être pas tout vu encore. Mais nous, on va découvrir, on va prendre le temps de découvrir avec vous. C'est comme un tableau. Hein. Il y en a en regardant ce film un jour, je pense qu'ils reconnaîtront certains symboles. Voilà. Notamment, dans ma famille du compagnonnage, qui sont tous mes frérots, se reconnaîtront. Ouais. Maintenant, la maison est marquée, mais du sceau. Voilà. Elle est marquée du sceau. Voilà. C'est bien. C'est tout à fait ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes de ce monde, vous avez transmis, vous transmettez, vous transmettrez encore, et vous passerez cette maison, elle est déjà transmise. Donc c'est pareil, voilà, on est là à un moment, ça témoigne de notre passage ici. Et après, ce sont les autres qui déchiffreront, voilà, c'est ça. Ils déchiffreront, très bien. Mais dans la vie, c'est un devoir. C'est ça. On n'œuvre pas pour soi. Pour profiter de l'œuvre des autres, la contempler, ça c'est l'instant dans le déroulement des choses, l'instant précis où nous contemplons, mais contemplons, c'est pas posséder. Contempler, c'est pas posséder. Merci encore. Merci à vous, à cette rencontre. Ah oui. Il n'y a pas que le partage du travail, il y a eu le partage humain aussi.